Mais l'important, c'est que lorsque je me suis déclaré positif, je commandais déjà un bataillon et nous étions en pleine guerre. Deuxièmement, il y a quand même des militaires, des officiers, qui ont apprécié mon engagement parce qu'ils disaient que la plupart de militaires affectés, infectés, ne veulent pas à se dévoiler, de peur d'être stigmatisés. On y va alors. Bonjour. Ça va. Très difficile parce que il y a ce phénomène de discrimination, de stigmatisation était très poussé. Lorsque la personne infectée, plutôt lorsque la personne était testée positive, séropositive, c'était presque la mort. Et le monde vous fouillait, tout le monde avait peur de vous. Il n'y avait même pas de médicaments, il n'y avait pas quoi que ce soit. C'était très difficile. Oh, voilà. Muganga muronka abantu bangahe ku munsi mayenda 200 candidats par jour ou bien pour tout le séjour moi mumaze par jour 200 candidats c'est bon. Oui, ça a changé sensiblement parce que aujourd'hui, ça a changé sensiblement parce que dans mon temps, on n'avait rien comme prise en charge médicale. Maintenant, on se fait dépister ici, on trouve, le médecin passe et trouve que vous êtes positif. Juste ici à côté, il y a le site de prise en charge en ARV. Vous avez directement les médicaments. Aharero, harivyo dusaba leta, harivyo dusaba inama nshinga amateka, harivyo dusaba abo bandi umugira wa sida bonyene, kuko wandi umugira wa sida nofopa yuko aca yikumira, inofopa yuko yita kwa umuntu azokwama ariko arasegerereza ngaha, wandi umugira wa sida ategerezwa gukora, ategerezwa guseruka, akivugira agakingira agateka kiwe. Ikindi ni uko abandi umugera wa sida bogerageza kubaho nuvuga kubana n'umugera ru Kristo vivre positivement avec le VIH kubana mu mutekano ntangire n'umugera. On est codé turacyari mu ntango si aujourd'hui. C'est vrai, la stigmatisation, il a gagné sensiblement. Mais malheureusement, avant de commettre ni baki par rapport à la télévision, ça veut dire que le combat continue.